Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Branding Process. Aujourd'hui, une vidéo rapide où je vous montre comment trouver n'importe quelle couleur sur n'importe quelle image. Okay? Donc, si vous avez une image, vous souhaitez trouver la couleur sur cette image, la couleur exacte, c'est la vidéo qu'il vous faut. N'hésite pas aussi à aller sur la chaîne Branding Process. Dans l'onglet vidéo, tu trouveras des centaines d'outils et de vidéos tuto pour générer de l'argent sur le web et aller plus vite sur Internet. Alors, comment faire pour trouver sur une image la couleur exacte? C'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. C'est parti! Donc, on va pas tourner autour du pot, on va même rester sur la même page, comme ça c'est plus rapide. Et on va aller directement télécharger le plug Color Pick. Ok, donc vous allez sur Google, vous tapez Color plug et vous allez trouver votre plugin. Vous avez juste à cliquer dessus, le télécharger et il sera en haut. Une fois qu'on y est, on va sur notre chaîne YouTube ici par exemple et j'aimerais savoir la couleur du rouge exact. J'aimerais avoir le même rouge sur une autre de mes images. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Color Picks, je vais aller ici sur le rouge et cliquer. Une fois que j'ai cliqué, on peut voir que j'ai le hashtag D500E36. Ça me permet comme ça de le copier et de pouvoir changer n'importe quelle couleur. De cette manière, il me suffit d'aller par exemple sur Canva, donc un outil pour créer des designs, de cliquer ici par exemple, et je veux mettre la couleur exacte, donc je vais mettre ici changer de couleur, et je mets le code de mon image rouge. Je vais mettre tout ça en blanc maintenant, pour que ça ressorte un peu mieux. Et vous voyez qu'en 30 secondes, en deux clics même, on peut dire, j'ai réussi. Hop. Ah, mettre tout en blanc déjà. J'ai réussi à récupérer la couleur exacte, mais j'aurais pu le faire avec n'importe quelle couleur. On peut ici fermer la fenêtre, rouvrir. Si je veux prendre le bleu exact de YouTube, je peux le faire aussi. Hop. Et hop. Donc voilà, c'était la stratégie avec ColorPick. C'est une stratégie qui fonctionne très bien, c'est utile pour vos sites web par exemple. Pour la création aussi de contenu au niveau du design et pour vos tunnels de vente. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à la like et à mettre en commentaire toutes les questions que tu as sur mes vidéos. De cette manière, j'y réponds au plus vite et j'y réponds même parfois en vidéo. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite énormément de santé, beaucoup d'argent et je te dis à la prochaine sur la chaîne Branding Process.